Une fois de plus, le monde de la musique est en danger en Côte d'Ivoire. Le chanteur Fally Ipupa, Ujamaa, hospitalisé à Abidjan. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. En concert les 28 et 29 décembre en Côte d'Ivoire, le chanteur Fally Ipupa a été hospitalisé d'urgence. Il aurait eu un malaise. Suite à un malaise, après son deuxième concert du 29 décembre 2019 à Abidjan, l'artiste musicien Fally Ipupa a écouté sa tournée africaine. En effet, selon le témoignage de ses proches rapporté par Mbot, la star serait hospitalisée. Son malaise a été déclenché par des troubles de fatigue causés par l'enchaînement de plus de 15 dates lors de sa tournée qui devrait prendre fin. Par le concert à Bujumbura en passant par Goma et Kigali. Monument du groupe quartier latin de Kofi Olomide où il a évolué pendant presque 10 ans, le chanteur a des goûts musicaux qui vont du classique au hip-hop. Fort de ses influences, Marvin Gaye, Chagrin et de ses racines africaines. Le musicien marie les musiques du monde à des sonorités plus modernes et urbaines. Carmen Sama et Tina Glamour dansent en l'honneur de Didier Arafat. À quelques heures de la fin d'année 2019, la mère de feu Ange Didier, Tina Glamour et la veuve Carmen Sama se sont rencontrées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a plus aucun nuage entre ces deux femmes. Carmen Sama et Tina Glamour dansent en l'honneur de Didier Arafat. Aux premières heures de la mort de Didier, des rumeurs avaient fait état d'une vive tension entre la mère du défunt Tina Glamour et sa veuve Carmen Sama. Même si ces rumeurs ont été démenties par des proches de la famille Ouan, force est de reconnaître que la relation entre ces deux femmes n'était pas au beau fixe. D'autant plus que Tina Glamour, dans une de ses fracassantes sorties sur les réseaux sociaux, s'en est pris à la dulcinée Carmen Sama. Demandez à la femme de mon fils pourquoi elle a condamné la maison de mon fils, sans mon autorisation. Ça fait 10 fois que je l'appelle, elle ne décroche pas. Il faut respecter celui pour qui tu pèses aujourd'hui 1 million. Tu as marié mon enfant, tu dois me vénérer et laver mes habits. Avait soutenu Tina Glamour avant d'ajouter ceci. Tu dois me respecter pour que Ravna fasse au moins 3 jours dans mes mains. C'est impossible, tu exposes trop l'enfant sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas discuter avec toi, mais ne me manque pas de respect. Des propos auxquels Carmen Sama n'a jamais répondu. Quelques mois après cette sortie, les choses se sont bien arrangées entre Tina Glamour et la belle Carmen Sama, comme le témoigne une vidéo publiée sur la toile et dans laquelle l'on aperçoit les deux dames toutes heureuses en train de danser au rythme de la chanson Dos a Dos de Didier Arafat. Cette vidéo qui s'est répandue sur la toile suscite de nombreux commentaires. Ça fait vraiment plaisir de voir cela en cette fin d'année. Elles portent le même homme dans leur cœur, donc c'est simple de mettre de l'eau dans le vin pour l'apaisement au sein de leur famille.